Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Arrête, s'il te plaît. J'ai le taux de rétention, il est mort. Magnifique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, vous avez dû le remarquer sur le titre de la vidéo. Nous allons faire un make-up à bébé. Ça veut dire un maquillage en français. Je vais vous faire un petit tuto pour comment est-ce que vous pourriez maquiller votre homme si vous avez un bal masqué. Ohé ohé. Déjà, le tuto il est débile à 100%. Comment maquiller votre homme? Qui se pose cette question déjà? Les gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont en couple et qui veulent mettre un petit peu de pigmentation dans leur couple pour s'amuser. D'accord. Je sais pas, pour le bal masqué. Bal masqué, j'ai pas besoin de te maquiller, tu es masqué. Bébert est marron. Tout va bien, je suis super content d'être là. Ça va être la meilleure vidéo qu'on va tourner. Oui. Ouais, allez, on y va? Oui, donc pour contextualiser, Bébert est obligé de se plier à se faire maquiller par moi parce qu'il a perdu un défi. Et du coup, les gens ont voté suite à ce défi que je maquille Bébert. Ouais, alors je voudrais bien le voir ce vote parce que du coup, je suis pas sûr du tout que c'est ça le truc qui arrive à la tête. Même je suis même pas sûr qu'il y ait un vote à un moment. Ouais, tu as inventé, juste pour le plaisir en fait. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sache un truc, oui. C'est que je me vengerai. Et oui. Là, je demanderai vraiment un vote pour savoir ce que je te ferai subir à toi. J'ai pas peur, hein. Ok, allez. Pour commencer, les amis, sachez que vos pinceaux, il est très important de les nettoyer. Et alors moi, j'ai ce petit nettoyant de chez Sephora. Et du coup, il désinfecte vos pinceaux. Tu vas vraiment tout expliquer et on va faire comme si c'était vraiment une séance de maquillage professionnelle. C'est tuto, tutoriel. Ok. On va faire pour de vrai, de vrai. C'est-à-dire? Dans un premier temps, je vais faire à Bébert un contouring. Qu'est-ce que c'est? C'est le teint. Oh. Le teint. Bah, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui est quoi. Bah, le teint, c'est le truc que tu mets dans la soupe au pistou. Non. Rien à voir. Rien à voir. Bah, fais vite parce que là, je commence déjà à transpirer. On est en plein été, il fait chaud. En plus, on a mis des projos et tout. Là, c'est. Il y a une lumière que tu racontes. Je suis en surpoids, j'ai chaud. C'est tout. Ça te fait rire? Oui. Tu n'as même pas préparé ton truc en fait. Vu que je vais faire un contouring à Bébert, je vais d'abord lui mettre du correcteur. C'est aussi de l'anti-cerne. C'est n'importe quoi. Et il est très bien celui-là parce qu'on fait ça. Et hop, le produit il sort. C'est un feutre, c'est. Et voilà, le produit est sorti. On dirait le truc plein de bétadine, on dirait. Attends, je suis, ça va pas empêcher de. Tu veux qu'on te nettoie le visage avant? Un peu, j'espère. Assistable. Ah, parce que j'imagine que se maquiller alors que tu es en train de transpirer, ça va pas être idéal, non? Ouais. Voilà, tu vas être nettoyé. C'est froid. T'as chaud, t'as dit. Ah. Voilà, t'es propre. Super. Ça, c'est quand on se maquille, on met un bandeau pour tenir ses cheveux. Ça, j'ai pas besoin de les tenir, ils sont attachés. Ouais, mais c'est pour le style. Ah, ok. Super. Il est vraiment intelligent. Alors, on va y arriver. Tu as envie de le faire, c'est bon. Si. Non, c'est bon. Et j'ai tout à faire. Ah, il y a des trucs. J'ai gagné le pari. J'ai des rendez-vous cet après-midi. On a commencé la vidéo, on va la finir. Non. T'es chiant. Quoi? Je me mets comment? Bouge pas là, comme ça. Hop. Arrête, non, j'ai pas la barbe, arrête. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu vas me colorer la barbe? De l'anti-cerne, ça va, c'est ça. Ça sert à quoi? C'est du gâchis sur ma barbe, sur mes poils. Donc, du coup, vous mettez votre anti-cerne comme ceci. Je n'ai même pas étalé. Bah c'est bon, il faut montrer d'abord comment on le met. Et là, tu refais les tutos maquillage qu'on connaît? Ouais. Elle est où ma boule? Je suis là. Quoi? C'est pas grave, j'ai ça. Donc normalement, c'est la boule, là, l'éponge, pour étaler. Donc moi, je vais étaler comme ça. Est-ce que tu peux me le faire délicatement? Parce que là, j'ai l'impression que tu fais ça à la truelle. Ouais, bah. Et il faut surtout prendre son temps pour le faire. Ouais, prendre son temps. On n'a pas 36 heures non plus, hein, je te le dis. Qu'est-ce que c'est? Tu rigoles tout le temps. Qu'est-ce qui... Ça te fait rire? Non. Tu es tout excité, là. Voilà. C'est quoi qui te fait rire, encore? C'est toi. Voilà, une ombre comme ça. Eh oh, tu viens à peine de mettre du fond de teint, ça va pas faire toute la vidéo si tu arrives pas à te contrôler et genre elle est en fou rire. Elle est en fou rire sur du fond de teint, elle est en fou rire. Oh, c'est rigolo. J'ai mis du fond de teint à mon mari. La suite du contouring avec un crayon marron. Est-ce que tu as déjà fait un contouring ou je sais pas quoi? T'as jamais fait? J'ai jamais vu faire ça moi. Quoi?
Quoi? Ah voilà, tu as jamais fait. Je fais un tuto, ça veut dire que j'ai déjà fait. Vous prenez, vous avez un truc. Je connais même pas les termes en plus. Oh, tu as jamais fait ça. Un pinceau. Pourquoi j'ai accepté? Un feutre, un pourquoi pinceau. Pourquoi j'ai accepté? Putain, qu'est-ce que tu vas me faire? Attends. Vous mettez. En plus, ton matériel il date de quelle année? Oh, il est tout pété, il est. Ouais, ouais, ça a roulé, ça a roulé. C'est comme quand je cachais des boulettes de chiffres dans mon froc. Eh oh, oh, oh. C'est bon, pour raconter la jeunesse un peu. Non. C'est quand que tu les as achetés ça, en 2014? Ici, attends, vous allez mettre votre crayon comme ça pour donner un effet de luminosité au visage. Mais tu es en train de me maquiller comme un angel. Ah, tu m'as mis le problème. Tu es en train de me... Hey, laisse-moi faire. Le problème, c'est que Bébert a de la barbe. Donc, je peux pas c'est en pas mettre. C'est pas un problème. Mais tais-toi! Je peux pas en je mettre. Sais pourquoi ici. C'est pas un problème? Parce que généralement, les hommes ne se maquillent pas avec une barbe. Si. Sauf Conchita Wurst. Si, il y en a. Ah si, ouais si. Ah, bah, bien sûr que si. Comme ceci. C'est pas fait pour le visage alors. Ah, il faut en mettre un peu comme ça. Tu peux pas m'enlever les points noirs aussi, t'as cogné? Eh ben non, là, ça les remplit. Normalement, vous devez en mettre aussi ici. Mais on peut pas parce qu'il est barbu. Et après, on va estomper. Le problème, c'est que vu que c'est un crayon, ça va être compliqué d'estomper. Pourquoi j'ai fait un crayon? Bonne question. Non mais tu as rien préparé du tout, tu t'es entraîné sur rien du tout. Non mais voilà, ça va être un carnage. Je vais ressembler à quoi? Je sais ce que je vais faire. Il faut l'estomper. Oh mais ça marche. On va l'estomper. Là j'ai l'impression d'être victime d'une expérience qui va mal tourner de toute façon. Et voilà, et ça te fait rire à chaque fois, tu vois. Non mais j'estompe. Donc voilà, ça va illuminer votre visage. Normalement c'est pas comme ça qu'on fait mais... Mais oui déjà, pourquoi quand je vais me faire maquiller dans une émission de télé, tu vois ou quoi, c'est agréable. Et là genre je souffre. C'est plus un truc comme ça qu'il faut mettre qui s'estompera facilement. C'est la même chose que tout à l'heure. Non c'est pas la même chose que tout à l'heure du tout. Ils se ressemblent tous tes pinceaux. Mais là c'est mieux déjà. On va refaire comme ça. C'est un peu irisé. Ça veut dire quoi, irisé? Ça brille un peu. Ah ouais, ça existe ce mot ou tu viens de l'inventer? Mais non, c'est toi qui a été inventé. Hein. Normalement, le contouring, ce qu'il faut faire, c'est estomper, 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 estomper le plus possible. Tu sais que là, il y a peut-être des vraies maquilleuses qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, mais oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, c'est vrai qu'il faut estomper, elles vont te le dire. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ouais, je le crois, hein, t'inquiète. Contouring, c'est ce que genre Maeva Guénam fait? C'est contouring. Alors maintenant, je vais du fond de teint liquide. Mais genre c'est ce que Maeva Guénam elle fait pour avoir l'impression qu'elle a des joues creusées alors qu'elle est grosse. Ouais, oui si tu veux. Ah, c'est pour tricher en fait. C'est comme pour avoir un filtre Snapchat mais permanent. Ça donne l'impression que tu as des joues. Mais moi j'ai pas besoin d'avoir l'impression que j'ai des joues parce que j'ai des grosses joues déjà, tu vois. Tu le vois. Allez, arrête de faire ça, je te maquille. Ah mais tu le vois, tu vois que j'ai des grosses joues. Ah, ça brûle en plus. Ça brûle là. Ah. Donc maintenant je mets de la poudre de soleil là qui est cassée parce que... Ça fait des années qu'elle est dans ton placard. Non, elle est sûrement tombée. Donc il faut estomper un peu sur son bras comme ça. Ça brille ce truc. Ouais, c'est irisé. Ah ça aussi. On fait ça, hop. Et on va en mettre un petit peu sur le front là comme ça. Et un petit peu sur le nez comme ça, son nez brille aussi. Ça s'est estompé ou pas? Je pense qu'on peut rajouter un peu là comme ça. Oh pauvre. Je veux qu'on finisse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas très beau. Mais tu t'attendais à quoi? Alors maintenant, on va passer au maquillage. C'est ça, on vient de faire ça. Oui, on a fait le contouring. Je pense que je vais te mettre un peu de blush. Pourquoi il y a bleu dans blush? Mais il n'y a pas bleu, il y a blush. Blush. Pas bleu, blush. Bleu allemand. Non, arrête de froncer tes yeux. Mais ça m'irrite. Enfin, non, ça t'irrite pas. Ça me chatouille. Ça t'irrite pas. Ça t'irrite pas, c'est pas vrai. Je vais le répéter combien de fois, ça t'irrite pas. Tant que ça monte pas au cerveau. On va faire des couleurs sur les yeux de Bébert. Oh putain, non, ça par contre je crains, je vais pleurer et tout. Alors, j'ai une palette NYX. De merde. Non, pas de merde, que tout le monde doit connaître, je pense. C'est des couleurs qui pètent. Comment ça, qui pète? Comme toi, qui pète. Non mais je sais ce que ça veut dire, péter. C'est des couleurs pétantes, tu vois bien. Alors c'est pour les gens extravagants. Tu animes pas bien quand même la vidéo. Ah, tu expliques rien. Mais si j'ai expliqué que je fais ton teint, j'ai mis du blush. C'est super intéressant. Allez, on va pas. Déjà, ils ont zappé depuis un moment, ils sont partis sur Samzira, hein, je te le dis direct. Il va falloir que tu fermes tes yeux pour que je maquille tes paupières. Je vais faire plusieurs couleurs. Quoi? On va faire un dégradé. Non. On va faire... Je ressemble à un arc-en-ciel quoi. Oui. Rose, violet sur le coin de l'œil et dans l'intérieur de l'œil, on va mettre du jaune. Non, mais me fais pas de l'intérieur de l'œil, je vais pleurer parce que genre je suis sensible à ça. Oh bon, quand on dit intérieur de l'œil, Bébert, c'est pas à l'intérieur de ton œil. Mais quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Mais c'est quoi ces expressions à la con? Qu'est-ce que j'en sais? Tout le monde est sensible à de l'intérieur de l'œil. Cette palette, si vous l'avez, vous savez que ça attends, tombe tu m'as beaucoup. Mis du bleu. Ah, il me laisse pas parler.
Ça tombe beaucoup. Il faut estomper comme ceci. Je crois que je vais changer d'avis parce que le jaune ça va bien et le vert. Faut pas que tu fasses comme mais ça. Mais toi tu me dis regarde-moi et tu me dis ferme les yeux. Qu'est-ce que tu veux? Là tu me prends les yeux. Oui, là regarde-moi. Je prends les yeux. Je te vois, oui, je te vois, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas fermer tes yeux comme ça. D'accord, je ferme mes yeux comme tu ça. Tu fermes tes yeux comme ça. Regarde-moi. Ouais. Non, ouvre. Je dois trembler les yeux aussi. Il se moque de moi parce que j'ai les yeux qui tremblent. Regarde. C'est la chose la plus drôle du monde. Ils verront pas là, c'est trop loin. Allez, tu vas aller fermer tes yeux s'il te plaît. C'est bon comme ça? Ouais, ouais. Mais préviens quand tu fais ça par contre. C'est comme l'ophtalmo quand il t'envoie le truc dans les yeux là. Mais t'as les yeux fermés, lui il te les envoie les yeux ouverts. Alors c'est arrête, enculé. J'ai fait l'autre. Et il a pas des paupières assez grandes et... Oh, tu sais, j'ai pas des paupières assez grandes. Ah mais arrête de forcer, je peux pas te maquiller. Non, mais tu as pas le droit. Arrête de forcer. Mais je m'énerve, c'est pour ça que je force. Ma mère quand je suis née, elle a dit oh, qu'il a des belles paupières. Genre, c'est une fierté dans la famille, donc tu peux pas dire ça. Je le referai jamais, hein, voilà. Franchement. Voilà. C'est pas dans les ambitions de demain, ni d'après-demain. Voilà, on a compris. Ça va pas du tout le vert, le jaune, le bleu, qu'est-ce que tu me fais? J'ai mis que du jaune pour le moment. Oh putain. Ah, ça fait mal, j'appuie mais sur la paupière. Mais quel mytho, mais quel mais je dis là dessus en même temps, genre... Mais ça... j'appuie pas. J'aime pas la sensation, putain. Mais tu as un problème. Là, 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 ça me fait un truc. Non, mais je m'arrone pas. C'est quoi? C'est pour montrer l'évolution, donc là... Dans le creux de l'œil, j'ai mis du jaune. Et là, en fait, j'ai mis du bleu, j'ai mis celui-ci. Mais vu qu'il y a le jaune derrière, mais ça fait vert. Et c'est très, ça fait très brésilien, c'est joli, hein. Super, je ressemble à Neymar. Magnifique. Au pire, tu ressembles à Neymar, ben, c'est comme ça. Bon, alors. J'irai me mettre un pantalon blanc moulant ce soir et danser sur et les là, tables. On va finir par du violet. Au papagayo. Quand je ferme les yeux comme ça, j'ai la tête qui tourne généralement. Parce que j'ai bu. Oh, c'est beau, hein, voilà. Ah ouais? Tu vas me mettre le truc qu'elles ont les chouins là. Le truc sur le haut des lèvres. Du crayon. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment télé-réalité ça. Oui, bon, c'est bon. Donc, voilà, Bébérette. Ah, 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 ça fait beurette un peu quand même. Moi, j'ai acheté ceci à Sephora, un petit récipient dans lequel il y a plusieurs pinceaux de plusieurs tailles. En plus, voilà, ça vibre. Non, voilà. non. Oh, 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 oh. Ça ressemble bien, bien à certaines choses, autant par la forme que par la couleur. Tu nous saoules. Moi, j'aime bien des fois ne pas mettre de crayon noir. Jamais je te maquille, qu'est-ce que tu racontes? Pas pour moi, en tout cas. Hein. Mais pourquoi faire pour toi? T'as pas besoin de me voir maquiller. Ce que je fais, c'est qu'au lieu d'utiliser du crayon, pour je qui, vais alors, utiliser du fard à paupières noir. Réponds-moi, pour qui tu te maquilles? Pour aller faire des réunions. Des réunions de quoi? Travail. Mais de travail, tu travailles pas, qu'est-ce que tu racontes? Ah si, des fois il y a des réunions au Pôle emploi et tout. T'as besoin de te maquiller pour aller au Pôle emploi? C'est la défaite, tu vas te maquiller pour aller là-bas. Quand je sors, je me maquille. Et tu sors avec qui? Réponds-moi. Je sors avec mes deux amis. Mes deux amis, alors je sors avec eux. J'ai un ami garçon et une amie fille. Arrête de faire. C'est quoi cette histoire? C'est qui cet ami garçon? Tu me laisses pas te maquiller. Non, mais tu peux pas me dire un truc comme ça pendant que tu me maquilles par contre. Allez. C'est qui ce mec? Mais j'avais rencontré déjà quand j'étais au théâtre et tout, tu rigoles ou quoi? C'est qui du coup? Je sais pas quoi moi. Il s'appelle Samuel. Quoi? Arrête de froncer les yeux quand je te maquille. Mais j'ai jamais entendu. T'es bête ou quoi? Mais c'est normal, tu me dis des trucs, ça m'a fait froncer les yeux, c'est normal. J'ai jamais entendu parler. Arrête de lui, faire semblant de faire ton jalon là. Bon. Mais je vais pas m'en. Alors. Mais waouh, je change pas de sujet. C'est qui Samuel? Ferme tes yeux et après je te dis. Voilà, là il y a le noir sur les yeux et là j'ai fait un petit trait. Putain. Plus près la prochaine fois, non? Ah, bon, c'est qui Samuel alors? Bah Samuel, c'est un intervenant. Quoi? Il est intervenu pendant les cours de théâtre. Mais c'est un prof avec qui tu as couché? Non, c'est un intervenant. Je te maquille pour Samuel alors? Mais non, je me maquille quand je sors avec Samuel et Justine. Bon. C'est qui ces gens-là? Des nouveaux amis? Oui, j'ai des amis. Mais c'est bien, je suis content pour toi. Parle-moi-en, non? Oui, alors Samuel et Justine, ce sont des amis à moi. Ils sont ensemble? Non, parce que Justine, elle aime les filles, elle aime pas Samuel. Ah, par contre, ça m'intéresse. C'est que deux femmes ensemble, moi, ça me. Et ça te boit, parce que tu m'as. J'aime bien. C'est super, tout le monde s'en fout. Bah non, c'est bien ça, je trouve. Tu sais, les lesbiennes, elles en ont rien à foutre des hommes qui aiment voir des filles ensemble. Je te le dis, elles aiment être ensemble, c'est tout. C'est pour un petit plan à trois, vite fait. Mais elles aiment pas les kikis, tu comprends pas? Elles te voient, elles vont faire berk, dégage, donc tu arrêtes de dire n'importe quoi. Moi non plus, j'aime pas les kikis, pourtant, je veux dire, si tu me dis je fais un plan à trois, je vais pas aller voir le kiki, je vais aller voir autre chose. Et ouais. C'est comme si toi, on te disait que tu vas aller avec un mec pour elle, ce que tu dis. Eh ben sur un plan à trois, moi je vais me focaliser sur ce qui m'intéresse, pas sur ce qui m'intéresse pas. Oui, mais imagine, il y a deux hommes gays ensemble, ils veulent faire un plan à trois avec toi. Et ils vont te dire, non, mais nous, on fait que ce qui nous intéresse. Non, mais moi, il faut qu'il y ait une femme dans l'équation. Eh ben oui, ben elle, ça ne va pas les intéresser qu'il y a un homme en plus. Mais non, mais elles vont s'intéresser entre elles. Moi, je vais dire, ben vous occupez pas de moi. Tu veux voir quoi? Je fais ma vie, hein. Vous occupez pas de moi, voilà quoi. Tu me dégoûtes. Pourquoi?
Dégueulasse. Mais toi, tu me dégoûtes avec ton Samuel, alors. Mais Samuel, j'irai même pas avec lui. Hein. Lui, il veut peut-être faire. Dans une amitié, il y en a toujours un des deux qui veut. Ouais, et ben lui, il veut pas. Je veux pas te le dire. Ah, donc c'est toi qui veux ? Non. Eh ben si, parce que tu le sais. Non, je le sais parce qu'il m'a dit oulala, tu serais pas mon style de femme plus tard, hein, babette. Bah, plus tard en plus. Je te manque de respect. Pourquoi ? Parce qu'il t'a traité de vieille. Mais c'est normal, il a 18 ans. Oh, c'est pas vrai ça. Tu as un ami de 18 ans ? Mais genre, il a l'âge de ta fille. Et alors, c'est un artiste. Tu l'as vu combien de fois dans ta vie ? Je l'ai vu 3 fois dans des interventions et après nous sommes devenus amis avec Justine. Et nous sommes partis boire des cafés car nous aimons boire du café sans sucre. Voilà. C'est passionnant. Je suis pas sûre de mettre du mascara bébé parce qu'après je vais devoir le démaquiller. On va pas mettre celui-ci parce que celui-ci c'est du waterproof. Et comme vous le savez, le waterproof c'est plus compliqué à nettoyer. C'est fait pour se tenir sous l'eau. Bravo. Voilà, celui qui a inventé ça il est vraiment con. Bon, tu t'arrêtes de parler mal. Tu te dis genre en gros tu enlèves le maquillage avec de l'eau, mais que c'est un maquillage qui s'enlève pas à l'eau. Comment tu fais ? Celui-là il est waterproof aussi. C'est pas proof, c'est proof. Quoi ? C'est pour l'eau. Il dit proof, non ? Ça fait de cils de long. Oui, si on le met bien, mais là j'ai pas envie. J'ai fait quelques erreurs, je pense. Ouais. On dirait que j'ai eu des points au point de soleil là. Que j'ai eu 3 séances, c'est gratuit. C'est coloré quoi. Je ressemble à une cagole en vrai. Tu sais, c'est les cagoles qui veulent chercher leur enfant à la maternelle à 11h du matin. En pyjama, en pantoufles. Mais elles ont pas oublié de se maquiller par contre. Et celle qui parle fort. Hein. Oh Ryan ! Oh Ryan ! Il est où Ryan ? Tu vois à peu près. Tu me décris moi quand j'allais chercher Sophie ? Peut-être, mais vu que je suis jamais allé chercher Sophie, je sais pas comment tu agissais. Mais tu allais en peignoir ? Ouais, j'allais en pyjama. Ma femme, la cagole. J'aurais préféré qu'on dise ma femme, elle est distinguée. Et on dit aussi que je suis distinguée. Quand deux voix de loin, oh je l'ai distinguée. On a dit que j'étais sophistiquée. Hein. Au théâtre, il y a des gens qui ont dit que j'étais bien, bien sur moi, bien habillée, propre, que je sentais bon. C'était un rôle, non ? Non. On va mettre des petits accessoires dans tes cheveux. Comment ça ? Mais c'est pour faire joli ! Et voilà, c'est très bien. Et on va aussi un peu te parfumer, comme ça. Non mais c'est pas besoin, en vidéo on sent pas les odeurs, on s'en fout. Et voilà, et tu es toute beau belle. C'est tout ? Mais oui. Mais regarde là-bas ! Quoi ? Attends, je peux me voir ? Non. T'en montres ? Mais allez ! Quelle horreur! Ça va, tu t'en es bien sorti quand même. Par contre, c'est quoi que tu m'as fait au-dessus des sourcils? C'est des points bleus. Ça fait carnaval ou quoi? Ouais, je ressemble à. Quand ils font dans les pièces de théâtre les cagoles. Perte de temps, non, perte mais... d'énergie, perte non. d'argent. Non, si vous devriez maquiller quelqu'un en cagole, vous suivriez mon tuto ou pas? Sûrement, j'ai des améliorations et sûrement, ouais, ce n'est pas mon métier. Peut-être qu'il y a un groupe de cagoles, tu vois, genre en gros, qui peuvent porter plainte contre nous parce qu'on a parlé mal des cagoles. Par contre, il y a eu un groupe de prostituées pendant le confinement qui s'est plainte au gouvernement. Elle ne pouvait plus travailler. Ah oui, oui, il y a les clients qui se sont plaints parce qu'ils ne pouvaient plus consommer. Alors qu'il y avait les visios, les caméras et tout. Hein. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Pareil. Non, c'est pas pareil. Si tu le jouis, appuie sur 4. Ah non, bon, allez, oh, stop. Appuie sur Alt, Maj. Si tu aimes ce que tu vois, appuie sur ABCD. Soit peut-être je reste comme ça toute la journée. Hein. Non, tu vas te faire critiquer. Par qui ? Par les gens qui aiment pas avoir des hommes maquillés, c'est la société. Il y en a des gens qui aiment pas avoir des hommes maquillés. Parce que soit moi, je me maquille pas, mais de voir quelqu'un de maquillé, en vrai, ça me dérange pas, tu vois. Et là, je suis maquillé. Du coup, je suis concerné. Le premier qui va me dire un truc, je l'encule, moi. Je m'en fous. Oh, mais quoi ? Mais quoi ? C'est vrai, c'est vrai. On ne soigne pas le mal par le mal. Mais ça va, pourquoi lui me parle si il veut pas que je le défausse derrière? Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai rendez-vous après. Alors, j'ai pas besoin de te démaquiller. Qu'est-ce qu'il en sait que j'ai pas fait une vidéo juste avant de maquillage? Il peut pas savoir. Ben voilà. Moi, je trouve ça te va très bien. Fin de l'histoire, si vous voyez quelqu'un de maquillé dans la rue et que vous avez envie de l'insulter, pensez que peut-être il a fait une vidéo YouTube. Et pensez que peut-être c'est Bébert qui veut vous casser la figure. Ou pensez que peut-être aussi il a envie, pourquoi pas, de vivre comme ça, et c'est ce choix. Tout à fait, c'est ce choix. Et le choix des autres, ça ne nous regarde pas. Moi, je trouve que ça te va bien quand même. Mais en fait, ça me choque pas tant que ça, tu vois. Et à quelle heure ton rendez-vous ? À 14h. Il est déjà 13h30. Tu crois que tu peux décaler un peu ? Non, je vais aller comme ça. Oui, mais ça aurait été bien de passer du temps un peu tous les deux avant. Pourquoi ? Parce que je t'excite. Je t'excite comme ça. Eh, c'est filmé. Attends. C'est filmé. Eh bien, nous vous souhaitons une agréable journée sur ce. Nous espérons que mon tuto Babette vous aura plu. Elle te plaît, Julie ? Non, c'est pas Julie. Justine ? Non, 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 non. J'ai attiré par les hommes maquillés. Rien à voir. Bisous à tous. Passez une très très bonne journée. Et voilà, je suis comme toute la société, je n'assume pas. Au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube. Je te plais comme ça.
A bientôt sur la chaîne YCT. Abonnez-vous, mettez la pouce bleue. Arrête.